À la base, moi, j'aurais dit que c'était le même, mais on m'a déjà dit que c'était non, pas du tout pareil. Et même ça m'avait fait un peu halluciner, tu vois, parce qu'au final, ils effectuent le même travail, tu vois. Mais bah ouais, c'est comme ça, la France. C'est ça. Du coup, il y a un écart en pourcentage, en tout cas. Je dirais 10%, parce qu'il ne faut pas abuser, mais ça se peut, c'est même plus encore, tu vois. 20 ou 30 au moins. 10%, je sais pas. 30%, mais... 15%. 25. 30, 40%. 20%. 20%. Ah, ça peut aller du simple au double aussi. Je dirais que l'homme pourrait avoir entre 40 et 50% de plus. Aucune idée, mais je pense que c'est énorme parce que les temps partiels sont malheureusement pas choisis mais imposés en général. Donc, vous avez une idée à peu près? Je sais pas, je dirais 60%, 70% peut-être. Enfin, ouais. Ça doit être assez important ça, en temps partiel. Ouais. Je sais pas. Allez, je vais me lancer, je vais mettre du 60%. Je dirais aujourd'hui, je dirais 60% des femmes qui sont en temps partiel. Ouais, j'ai entendu qu'il y avait 40% des femmes qui travaillaient aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire en temps partiel, j'imagine, un bon pourcentage des comptes. 70 ou moins. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 40. Je dirais 70%. Bah, c'est énorme. Hein. C'est l'ordre de 60 et quelques pourcents de femmes, au moins 60-70% de femmes, je crois. 62-63%. Je dirais 60%. Après, les stéréotypes au travail, ça va dépendre des métiers, je pense. Il y a des métiers où justement les femmes seront peut-être plus mises en valeur, naturellement, et d'autres, en effet, les hommes. Donc, je pense que c'est pas si simple de répondre à cette question. Et il y en a certains plus précis, par exemple, qui vous viennent en tête. Je pense que dans un milieu d'hommes, d'ouvriers, justement, un petit peu d'usine, là, je pense que la femme s'en prend. Parce que voilà, c'est l'homme, il est fort, il arrive. Il y a beaucoup d'égo hein, entre les hommes, il faut prendre en compte. Hein. Déjà, les hommes entre eux, c'est pas facile. Alors quand vous mettez une proie comme une femme dans un milieu d'hommes, forcément c'est très dur pour elle. Ouais. Donc voilà, donc on dira l'homme plus fort dans un milieu un peu ouvrier, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de s'intégrer. Ouais. Par contre, peut-être que dans un milieu de la mode, au contraire, il est préférable d'être une femme. Et ça va être là un homme qui va avoir des difficultés. Donc il faut aussi l'équité dans les deux sens. C'est bon, voilà. Je sais pas. Je dis assez. Les stéréotypes, on en a tous, mais on en revient toujours. Les stéréotypes, on les génère parce que parce qu'on a besoin de se raccrocher à une image. Les stéréotypes et tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment telle ou telle personne va évoluer. Est-ce que son psychisme va s'ouvrir sur telle ou telle chose. Voilà, et en fait, il est intéressant de regarder les gens, de regarder ce qu'ils sont. Ce qu'ils peuvent devenir. Ce qui est intéressant quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas ce qu'il est réellement, on s'en rend rapidement compte, c'est ce qui, quel est son potentiel, quel est le potentiel qu'on peut développer avec une autre personne. Mmh. Voilà, tout est là. Tout est affaire de potentiel et de philosophie. Pourquoi voulez-vous qu'une femme fasse absolument des enfants? Moi je connais des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et si elle a envie d'avoir des enfants, tant mieux. Mais les enfants aujourd'hui, ça ne s'élève pas tout seul, ça s'élève à deux, quelquefois à trois, quelquefois à quatre. Mais moi, ça ne me gêne pas. Ce qu'il faut, c'est je veux dire, aujourd'hui, c'est à sortir de tout ça, de ces carcans, c'est un carcan historique dans lequel on vit, et puis essayer d'ouvrir sur autre chose. Si on se respecte, on avance. Il faut une société tolérante. Il faut arrêter de juger les gens. Le jugement sur X, Y, Z, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est d'avancer, c'est d'échanger avec les gens, voir progresser. Mais le reste, c'est franchement pas intéressant.
Et il faut se méfier justement d'enfermer un débat dans un carcan avec des stéréotypes. Parce que là, vous ne rentrez pas. Le débat, je vous dis, il est avant tout philosophique. Vous regardez ce qu'il y a derrière, vous comprenez où est-ce que vous en êtes, et après vous allez pouvoir voir où est-ce que vous allez aller. Et dites-vous bien qu'on vient tous de quelque part. Et c'est de là qu'il faut regarder. Regardez vos grands-parents, posez la question à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents si vous en avez encore, et faites-les parler. Vous allez voir, c'est très intéressant parce que vous allez comprendre qui vous êtes. Et là, vous allez mieux comprendre où est-ce que vous pouvez aller. Ça freine effectivement les avancées professionnelles et personnelles. Concernant hommes et femmes, enfin surtout les femmes, effectivement, quand vous avez un homme qui a comme idée reçue ou comme stéréotype l'idée de la, par exemple, la bimbo, vous voyez les femmes qui prennent soin d'elles, qui sont belles, qui sont élégantes, raffinées, etc. Qu'est-ce que derrière on sous-entend, qu'est-ce qu'on a comme idée reçue? Ben, que c'est une femme qui n'est pas compétente ou qui n'est vouée qu'à accueillir, sourire. Il y en a plein, hein, des stéréotypes. Voilà, je vous dis, les femmes qui ne sont pas disponibles parce qu'elles sont en âge de procréer, ou les femmes immigrantes ou d'origine ethnique qui, par leurs origines, ne sont pas forcément, ne parlent pas bien français ou auront des difficultés d'intégration. Pour finir, je dirais, jouer avec les stéréotypes, jouer avec ça, s'il faut. C'est un jeu en fait, la vie est un jeu de toute façon. Donc restons positifs et jouons. Jouons au jeu, mais de façon intelligente parce qu'on est des femmes aussi. Bah, ça les freine parce qu'il y a un problème d'image en fait avant tout, donc on va plus assimiler qu'une femme est capable de faire telle ou telle tâche, mais là c'est même plus au niveau professionnel aussi, c'est dans la vie de tous les jours, je pense, et c'est ça qui est malheureux, c'est que on va même dire qu'une femme sera plus douce qu'un homme, alors qu'en fait, pas forcément, enfin... Là, le problème d'égalité, il est à tous les niveaux parce que c'est hyper ancré dans la société, de tous les jours et puis très longtemps quoi. Enfin, c'est les femmes au foyer, c'est les hommes au travail. Voilà. We'll be right back.